Le 9 avril 2022 restera à jamais une journée mémorable pour Brooklyn Beckham et Nicolas Peltz. En effet, si est-il la date que le couple a choisi pour se dire oui, en Floride, dans la villa de famille de la mariée à Palm Beach. Le média Elle révèle le budget de ce mariage idyllique qui s'élevait à environ 3,5 millions d'euros. En couverture du magazine Tatlé pour le mois d'août, Nicolas Peltz a décidé de revenir sur cette journée si spéciale. Alors qu'on aurait pu penser que l'actrice américaine a été sous l'emprise du stress, la jeune femme de 27 ans a pourtant su garder son calme. Selon elle, Nicolas Peltz était sûr de son choix. « Je vais épouser mon meilleur ami, et si est-il tout ce qui compte » a-t-elle confié au magazine. Pour la cérémonie de mariage, le couple a choisi de convier plusieurs membres de leur famille ainsi que des personnalités publiques comme les sœurs Vénus, Serena Williams ou encore Eva Longoria. Nicolas Peltz fait une autre révélation sur l'invitation des joueuses de tennis. Selon l'épouse de Brooklyn Beckham, elles auraient été invitées par hasard par sa mère. En effet, cette dernière aurait croisé Vénus et Serena, et leur a proposé de venir. Si est-il tellement incroyable, ces femmes sont les icônes les plus belles et les plus réussies de tous les temps, s'est exclamé Nicolas Peltz, comme si elle ne revenait toujours pas. Brooklyn Beckham et Nicolas Peltz, une idylle qui n'est pas prête de se terminer au mois de juin, Nicolas Peltz a enfin dévoilé sa bague de mariage sur son compte Instagram. Si est-il ensuite au tour de son mari, Brooklyn Beckham, de faire une révélation au public. Pour sa part, il s'agit d'un nouveau tatouage en hommage à sa femme. On peut y voir un long texte symbolique sur son bras. Surprise, il s'agit de ses vœux de mariage. Lorsque le magazine Elle la questionne sur le fait que le couple habitera ou non à Londres, Nicolas Peltz a répondu « Je dirais non, mais on ne sait jamais ».